Ah oui, bonjour à tous, bonjour YouTube, on se retrouve pour un nouvel épisode de Double Kick Heroes. Alors, j'espère que tu es présent, j'espère que tu nous citeras dans les commentaires tes groupes de métal préférés. N'hésite pas à faire découvrir à nos amis sur Twitch, également sur YouTube, de très bons groupes de métal. On se dit à très bientôt et on va se lancer la suite du jeu. Oh, je sais plus quoi faire comme intro, hein. J'ai plus d'idées, hein. Il va falloir commencer à m'aider. Tokyo Hotel. Oh putain. Allez, je vais boire un coup pour fêter ça. Ah, la manette, c'est bien, finalement. Mais Rek, hein, toujours lucide, finalement. Qu'aurait fait Ray dans cette situation? Vomir, probablement. D'accord. Allons nucléariser leur cul. Ah ouais, tu me parles. On doit les défoncer encore plus. Carrément. Vous avez craqué ou quoi? Ah t'inquiète ma belle, c'est notre business. Eh les gars, quand il y a du nettoyage à faire, qui c'est qu'on appelle? Je m'en tape, bon vent, cassez-vous. Mais putain, vous avez aucune conscience de ce que vous faites. Ouh. Bon, on a tellement besoin de ton aide, gna 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 gna. Ok, pas de demi-tour possible. C'est pas près d'arriver. Tu l'as dit, boucle d'or. T'as de l'herbe sur toi? Déjà une pour t'aider, elle est contaminée aussi. T'es pas sérieuse là? J'ai vu un ami se transformer direct juste après une natte. Alors c'est donc ça l'enfer. Ça marche Merek, bonne sieste. Des zoubis, merci d'être passé, ça faisait un moment du coup. Bah oui, c'était les Kingdom Come que tu ne suis pas. Ça a fait plaisir de te lire. Moult bisous, bonne sieste. Et à très bientôt. Et demain on stream, on refait des découvertes si tu veux. Voilà, enfin tu verras ça affiché mais 10h-14h que... Alors, le blackjack pour les nuls, mon cul. Ok. Tu aurais plus de chance la prochaine fois, ou pas. Il y a des bestioles qui traînent. Alors, c'est ça qui nous attend si on devient célèbre? Ah oui, on a déjà vu. Un autre jour, une autre fois. On a tout là-bas. Un autre jour, une autre attaque. Putain, je sais même pas lire. C'est parti. Chiaros, core, trash. Oh, du trash encore. Undead, Kinky King. Ça me promet. Oh non, c'est pas un boss. Non, c'était pas un boss. Moi, je hais les boss dans le jeu, honnêtement. Ah ouais, quand même. On est un peu en sous-nombre, là. C'est quoi ces trucs dégueu? C'est vraiment une bonne idée de se frotter à Morton? Pas vraiment, non. Mais bon, on a connu pire. Au moins, ils sont rangés en ordre et les uns derrière les autres. C'est peut-être le seul avantage à affronter une armée. On a plus de babal que. On peut pas perdre. On a plus de babal que. La babal. Pirate, la babal. Go, go, go. Power Rangers. Niveau 3-4. Ah merde! Ah putain! C'est vrai! Putain, horrible! N'importe quoi. Ça c'est de la double, ouais. Putain, merde. Putain.
Merde, putain, à chaque fois je me trompe de bouton. Wow. Il y avait ça, excellent. Ah ouais, un peu desclock, ouais. Ah mais moi je vois rien du tout, hein. Je vois rien du tout de ce qui se passe, je suis tellement focus. Mais ouais, je commence à mieux appréhender, mieux comprendre comment ça fonctionne et tout ça, on peut... Et c'est permissif finalement, hein. Et la manette c'est vraiment mieux. C'est vraiment mieux, le clavier c'est un petit peu trop hardcore. Excellent, c'est éclate, aucune chance de se faire chier quand tu roules avec des potes, avec tes potes, heureusement qu'on n'est pas dans un open world jap. J'en reviens pas que tu aies joué à cette merde. Pire, je l'ai précommandé, c'était une édition limitée. Le dernier jeu qu'elle a joué, c'est sur la Falcon de mon père. Ouais, super fun, aussi kiffant que se prendre une balle dans la tête. Allez, on se casse. On sait pas quand le prochain truc fun viendra nous exploser la tronche. Et d'accord, ces trucs, c'est pas juste des zombies ou des expériences scientifiques. C'est l'enfer sur Terre. Nice. Il faut retourner là-bas. Fin de la tournée américaine. Objectif. Alors, on va parler à tout le monde encore une fois. Hein. Qui veut de la bibine? Personne? Allez là! 1, 2, 3, 4 niveaux. Et les gars, c'est le boss, c'est trop bon ces moments-là. Non, non, pas le boss! J'ai pas envie de casser l'ambiance, mais vous êtes débiles en fait. Quelle bande de tarés irait déclarer la guerre à Morton? Quand est-ce que vous allez vous réveiller? Quel genre de naze laisserait ce gros naze diriger le pays? On doit vaincre Morton, on remet les choses en ordre et on se casse pour de bon. Yeah, c'est l'épisode annuel de Call of Duty Apocalypse Now. On va lui défoncer le cul et le donner à bouffer à ses followers. Ne comptez pas dans votre Suicide Squad. Crevez en paix. Hein. T'inquiète pas, on se barre dès qu'il a mordu la poussière. Si vous le dites. Je vois des gens morts, c'est-à-dire vous. Mais bon, bonne chance, hein. Restez en vie et tout le reste. Tu sais que ce qui a provoqué... Hop là. Tu sais qui, ce qui a provoqué la peau à tout hasard? La peau, eh bien, il y a une fuite à la centrale nucléaire, Morton. Tu as mentionné le truc coréen aussi. Ils ont dit que c'était rien du tout à la télé. Vive la désinformation. Bon, et donc, ça veut dire que les nappes phréatiques sont contaminées? Comment tu crois que l'épidémie s'est répandue aussi vite? Snake, tu as bu de l'eau? Quoi? Ah non, on l'avait eu du coup. Il arrête pas de chanter. Je me demande ce qui arrivera si j'allume la radio 66 fois. Alright. Bon, a priori, c'est le dernier truc. Ouais, ouais. Ça m'a l'air d'être le boss de fin. Ah non, il y a peut-être un truc après. Work. Work in progress, je pense. Oui, un petit panneau. Je pense que c'est la fin pour le moment. J'ai bien l'impression. Bande d'immigrants violeurs de chèvres. Mon maître se délectera de vos cadavres. Mourez. Burke, ce gros tas de merde me fout les chocottes. Super dégueulasse. Oh, attends, il est gros ce con. Pile poil la bonne taille. Je peux pas le manquer. Mesdames et messieurs, faites place au métal. C'est l'heure de fumer ce gros tas de fer rouillé et de lui présenter ma guitare. Incroyable. C'est parti. Ah merde, je me suis coupé. Mais on n'a pas vu du coup... C'est Hitler ou quoi? Ah putain, merde. Mais faut... J'avais pas ma bonne position de doigté. J'ai pas le bon doigté sur ma flûte. Désolé. Passer. Putain, mais faut se déplacer. Oh là là, faut se déplacer. Ah là là, je fais n'importe quoi. Par contre,
Elle est horrible cette batterie. En fait, faut vraiment trouver le rythme. J'espère que vous profitez bien de la vue. Ah, c'est du heavy de mon fion. Oh, je fais que la grosse caisse là. Faut vraiment apprendre le morceau en fait. Hein. Défoncé. Ouais ouais je... Ah bonjour à tous. Salut Sanglierman. Salut salut. Ah, il tire des billballs, d'accord. Ouais le jeu est très très bon. Ouais 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 ouais. Il faut faire les grenades. Ah là là. Bon. Ce jeu est vraiment chouette hein. Mais c'est ultra dur. Mais il faut apprendre. En plus c'est vrai qu'il faut se déplacer en plus. C'est vrai qu'il faut se déplacer également. Papalalam, ta-da-da-da, papalalam. Heavy metal. Oh, where the demon is chasing you. Merde. Et je fais vraiment pas de dégâts. Coucou Madame Canevan. Yeah.
Ah putain, merde. Il est trop long le morceau. Ah, t'en as fait deux fois plus qu'au précédent travail. Ok. Ouais, il faut également bien faire gaffe à être devant lui pour quand même lui faire des dégâts, etc. Le métal est tout ce dont le métal est tout ce dont on a besoin. Et oui. Alors, let's try again. Mais ouais, finalement, c'est comme voilà, c'est comme c'est un petit peu moins. Enfin, non, j'allais dire que c'est un peu moins intuitif que Guitar Hero, mais en fait c'est parce que j'ai trop l'habitude d'y jouer, je pense. Au début, Guitar Hero, j'apprenais aussi les morceaux, mais sauf qu'à force, voilà. Merde, loupé. Merde! Merde. Ça c'est vraiment dur. Ouais, je sais que je me suis fait exploser. Allez! Oh non, j'ai pas fait encore l'histoire du double KO, comme d'habitude! Oh, j'ai refait un double. Oh, ma spécialité des doubles KO, c'en est atroce du cul! Oh non! Oh non! J'ai fait un double KO! C'est ça qui s'est passé? Moi, je crois que j'ai ça. Moi, je pense que c'est ça qui s'est passé. Et je suis pas très content. Oh merde! Bon ok, ça commence à venir. Mais finalement, j'utilise mes nombreuses vies pour rester devant et bourrer comme un connard. Ça m'a l'air aussi d'être une bonne astuce. Ah merde! Ah je sais pas, j'ai pas bien vu moi.
peux pas tout voir. Quand je joue au jeu, c'est atroce. Il me faudrait un copilote. Merde. Ah putain, j'ai pas le temps. Putain, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Ça sert à rien. Il faudrait mon copilote, hein. Ok, ok. Non mais pas de soucis, Shiva, pas de soucis, pas de soucis. Mais je pense qu'il y a eu un double KO, je l'ai mis à zéro et il m'a tué en même temps en fait. Je suis quasiment sûr d'avoir vu ça. Ah, c'est pas super pratique là de bouger. Ok, faudrait que je fasse ça. J'ai trouvé. Ouais, ouais. J'ai pas le temps. Oui, mais en fait, je sais qu'il me prévient 10 secondes avant. Mais si... Ah si, je le touche. Ah, my bad. Ok. Je pensais que je... Ok, ok. En fait, je croyais que c'était comme les autres boss et que je le touchais pas. Quoi? Annulé? Putain, j'appuie à côté, va te faire foutre. Mais oui, mais là je suis plus dedans, donc c'est de la merde. Merde, putain. Ah putain, je fais de la merde. Ok, ok, mais non, alors attends. Ça dépend de quel côté tu tires, selon que tu montes ou descendes par rapport à la zone de lock. Ouais, 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 mais normalement t'as au moins un côté. Ok, 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 ça marche. Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Ok, ok, ok.
Eh oui, une fois qu'il m'a lock, c'est bon. Je continue à le toucher. Merde! Ah mais alors ? Tadak, tadak, tadak. Yes. Oh yeah. Merci. Ah, la concentration d'une vie, hein. La concentration d'une vie était présente. Yippie, qui est pauvre con. Ah oui, j'ai vu ça, Shiva. La concentration de tout le chat, tout le chakra était présent. Nous avons assemblé tant de ki pour permettre... Le ki du métal, évidemment, pour permettre de battre ce boss de Double Kick Heroes. Avec la fin de la musique incroyable, l'entertainment à son paroxysme. Incroyable du cul. Bon, allez, prends ça, connard. Ok. Ah, ce salaud m'a tout englué. Pauvre con. Ah oui, c'est ça. Pauvre con. Voilà ce que j'appelle un Metal Slug. On peut tracer la route, il n'y a plus rien pour nous ici. Prochaine étape, l'Europe. Nice. Continuez. Oh. Work in progress. On a quand même un dernier niveau. Ah, nice. Et après, oh, il y aura une suite. Oh, nice, 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 nice. Ah non, thanks for playing to be continued. Ah, la suite, j'ai cru la suite. En tout cas, c'est très bon. Ah bah, on a fini, putain, le micro let's play. Mais on reviendra, hein. On va revenir sur le jeu. On va se casser les doigts, on va faire la tendinite. Allô ? Allô ? La tendinite. Le jeu a fait une tendinite. Salut Harmony. Oui, oui, très très sympa, très bon jeu. Par contre, sans... Ouais. Bon, on progresse, hein. Ça demandera peut-être un peu plus d'entraînement. Mais la manette, c'est... Faut prendre le pli. Faut trouver une bonne manière de se placer. Donc moi, je me plaçais comme ça. Tatatac, tatatac, tatatac. Je me mettais ici pour les doubles grosses caisses. Et puis du coup, la caisse claire ici. Mais peut-être qu'il y a moyen de mieux configurer la manette. Et d'avoir... menu principal et d'avoir un meilleur contrôle. Enfin bref, il faut, à mon avis, il faut tester des trucs. Et donc oui, l'avantage, pardon, je vais y arriver. Hein, je m'exprime comme une bite, mais c'est pas grave. L'avantage, c'est que du coup, on a un meilleur retour avec les boutons de la manette et les impacts sont un peu plus précis. On demande un peu moins de force et un petit retour. Et c'est plutôt très agréable. Ça marche très bien. Après, peut-être que mon clavier est moins terrible pour ça. Peut-être qu'avec un clavier méca, ça peut être pas mal. Anyway. On a du coup le mode arcade, on vient de faire le mode histoire, on a tout vu.
On a le mode Hellgate qui devrait sortir plus tard. Aucune idée de ce que ça peut être, mais à mon avis, voilà. Et après, on a aussi l'éditeur. Choisir la musique. Oh! Attendez. Image. Attendez, on va essayer de faire un truc. Excellent. Choisir le décor. Du rouge. Ok. Choisir les monstres. Ah, des zombies de base. Des infectés, ok. Éditer la partition. Incroyable. Excellent. Incroyable. Trop bien. Alors comment ça marche? Si je veux mettre du kick. Tac. Ah oui d'accord, là. J'enlève ça. On regarde un peu comment c'est fait. Excellent. Mais du coup, si j'ai composé mon truc... Si j'ai composé mon truc en MIDI, je dois pouvoir importer ma batterie MIDI. Oh putain, ça va être génial. Ah mais là, il est pas dans le bon tempo. Est-ce qu'il y a moyen de choisir le tempo? Là, du coup, c'est dégueulasse. Ah ouais, nice. Ouais, c'est juste pour essayer. YouTube, c'est du petit bonus qu'on octroie, là, de qualité. Faire à l'œil, c'est juste pour essayer. Comment je fais pour... Ah oui, d'accord, je me place ici. Ok. Nice. Ici, du coup, tac, tac. Tic, tic. Et voilà. Retour. Juste pour essayer. Mais ouais, on pourra faire des lives rigolos. Excellent. Excellent! Ah oui, puis du coup ça s'arrête au moment où... Ok. Excellent. Et après on peut envoyer au workshop. Eh, très drôle, quitter sans sauvegarder. Ah, ça pourrait être marrant, on pourra se faire des sessions... On pourra regarder ça, c'est très très sympa. Combien de temps? On va regarder vite fait l'arcade. On va tenter le mode extrême. Mais du coup on n'a pas vu... Ah oui, donc c'est ça, regardez. Facile, une seule piste, grosse caisse, moins de notes, moins d'ennemis, recommandé pour les âmes sensibles. Hard rock, une à deux pistes, grosse caisse, caisse claire ou cymbale. La puissance des fusils baisse légèrement à chaque note ratée. En métal, 2 à 3 pistes, grosse caisse, caisse claire, cymbale optionnelle. La puissance des fusils revient à 0 à chaque note ratée. Ouais, c'est ça, des basses solides en jeu de rythme. Oui, voilà. 2 à 3 pistes, grosse caisse, la puissance des fusils revient à 0. Excellent. Et on va essayer... Non, pas le tuto. Oh, je voulais pas faire le tuto. Je voulais essayer le... Mais on n'a pas vu les cymbales. Les cymbales vont être plus tard. Eh ouais. Menu arcade. On va faire le niveau 1 en mode de l'infini au-delà. Juste pour voir, juste pour regarder. Ah, regardez, il y a le sniper. Ah, en fait, les cymbales sont déjà implémentées, mais c'est en mode de difficulté de la folie.
Excellent. Ah putain, merde. Excellent. Excellent, c'est très bien avec tout. Putain. Wow. Wow. 75% on a fait en mode extrême pour un premier try. Pas mal. Record du monde. Attendez, putain, mais je voulais voir le leaderboard. Leaderboard. Vas-y, je suis le champion du monde. Je suis le seul qui a terminé le machin en extrême. Incroyable, on a le record du monde. Incroyable mais vrai, le record du monde est présent. Bah, c'est vachement chouette. On va essayer un autre en extrême. Mais c'est vachement chouette. Merde. En fait, je vais vous expliquer un truc après. Voilà. En fait, ce qui est vachement dur, c'est que ça va, en fait, ça gère... je pense que avec un petit peu de concentration, on arrive à jouer assez correctement en mode extrême. Le gros souci, c'est qu'il faut aussi regarder où sont les zombies pour utiliser la bonne grosse caisse. Et ça, ça fout un dawa pas possible. Il y a des trucs de ouf. C'est vachement dur, c'est vachement dur. Mais c'est bien cool. Le menu principal, excellent. Bon, en fait, il y a les cymbales. Mais on est content qu'elles soient pas trop là. Ça doit être immonde le dernier niveau en extrême. Mais excellent, très bien, très drôle, très cool. Dernière chose que je vais regarder avant de vous quitter. Est-ce que du coup... En Hard Rock Arcade... Oui, j'ai accès à tout parce que j'ai tout terminé. Hop, il y a un indiqué qui a fait. Ah, c'était juste Elmobo qui l'a fait, d'accord. Excellent, très très bon. Bon, écoutez, YouTube, j'espère que ça vous a plu. On se retrouvera sur ce jeu plus tard quand les mises à jour seront présentes, les work in progress. Très 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 bon jeu. J'attends de voir ce que nous réserve la suite. Il y a moyen de rigoler en plus avec l'éditeur. Il va y avoir moyen de trouver des trucs assez fun. Sur le workshop Steam, et ça c'est plutôt cool. Moult bisous YouTube, à très bientôt pour d'autres aventures, j'espère que celle-ci t'a plu, à très bientôt.